entrer dans un État qui veut se passer de la justice, du juge judiciaire. Ça, c'est, on qualifie comme on veut. Un peu d'État policier ou pas, vous prenez l'actif que vous voulez. Le constat, c'est que on est dans un État où on a décidé qu'on ne puisse pas cette preuve. Oui. Et ça, c'est très dangereux. Ce n'est pas qu'une question de juge. Qu'est-ce que ça veut dire? Le juge, il a besoin d'éléments de preuve, un minimum d'éléments. Oui. Oui. Bon, à partir du moment où vous dites, quand il n'y a pas de preuve, ben, on va assigner à résidence, on va prendre d'autres sortes de mesures, parce que là, il n'y a pas besoin de preuve, vous rentrez dans une logique qui est potentiellement dangereuse. Mais est-ce que l'état de guerre dans lequel nous sommes, vous assumez ce mot de guerre, Marc Trévidic, justifie ces décisions et ce régime autoritaire? Il y a une forme d'autoritarisme du pouvoir politique, une autorité affirmée et revendiquée même. La guerre, elle se fait quand même en Syrie, en Irak. Hein. Oui, voilà. Là, évidemment, c'est un théâtre d'opération de guerre et c'est l'armée qui a son rôle. Sur le territoire français, on ne peut pas raisonner de la même façon.